Méditation du sanctuaire, lien au-delà du voile. Vous vous placez dans une position assise ou allongée confortable, favorable à la détente, à la méditation. Les paupières closes. Vos bras et mains placés dans une posture confortable, vous émettez intérieurement l'intention suivante. Je vais rencontrer telle personne et nous allons communiquer dans notre sanctuaire commun. Vous vous concentrez sur le va-et-vient de votre souffle. Vous vous laissez bercer par votre respiration. Puis, vous laissez votre respiration aller à son rythme naturel, vous ne vous en préoccupez plus. Vous visualisez maintenant une boule de lumière blanche qui se développe dans votre ventre en arrière de votre nombril. Voyez cela, sentez cela. Cette boule de lumière monte le long de l'avant du milieu de votre corps, du nombril jusqu'au sommet de votre crâne lorsque vous inspirez. Lorsque vous expirez, cette boule de lumière descend depuis le sommet de votre crâne jusqu'à votre coccyx, en suivant le trajet de votre colonne vertébrale. Faites cela à plusieurs reprises. Voyez cela, sentez cela. Au fur et à mesure que vous ressentez ce trajet effectué par la boule de lumière, vous vous sentez plongé agréablement dans un état entre veille et sommeil.
Puis maintenant, à chacune de vos inspirations, vous voyez toujours la boule de lumière monter devant le milieu de la face antérieure de votre corps, mais la boule de lumière s'arrête dans l'espace entre vos deux sourcils en fin d'inspiration. Lors de l'expiration, la boule de lumière reste dans votre espace intersourcilier, mais en brillant davantage. Faites cela à plusieurs reprises. Voyez cela, sentez cela. Puis, vous ne vous préoccupez plus de votre respiration et vous vous concentrez sur la boule de lumière dans votre espace intersourcilier. Au fur et à mesure que vous vous concentrez sur cette boule de lumière, vous la sentez se mettre à tourner sur elle-même de plus en plus vite, de plus en plus vite. Voyez cela, sentez cela. Maintenant, vous avez l'impression de plonger dans cette bulle de lumière. Vous avez l'impression de basculer dans un autre univers, de passer à travers un voile. De telle façon que bientôt, vous vous retrouvez face à l'entrée qui donne sur le parc où se trouve votre sanctuaire de communication. Vous pénétrez dans le parc, observant la belle nature autour de vous. Puis vous vous rapprochez progressivement du sanctuaire, observant tous les détails autour de vous. Symboles, bas-reliefs, fresques, s'il y en a. Puis maintenant, vous vous retrouvez face à cet édifice qui est votre sanctuaire. Vous montez les marches et franchissez la porte d'entrée. À l'intérieur, vous êtes tout de suite imprégné d'une atmosphère paisible. Ici règne la paix et la sérénité. Sur les côtés, vous apercevez diverses fresques et statues sacrées. Voyez cela, sentez cela.
Puis vous vous rapprochez du centre du sanctuaire, là où se trouve l'énergie cosmotellurique la plus intense. Vous prenez soudain conscience que vous êtes au centre d'un mandala, parfaitement protégé et en même temps en lien avec votre conscience supérieure qui est représentée symboliquement face à vous. Vous vous placez alors en posture de méditation tout en vous concentrant sur votre chakra du cœur dans lequel vous visualisez une bulle de lumière dorée. Tout en vous concentrant sur votre chakra du cœur, vous pensez aux bons souvenirs que vous avez partagés avec la personne décédée que vous voulez retrouver temporairement dans votre sanctuaire commun de communication astrale. Vous visualisez la personne décédée que vous désirez retrouver dans ce lieu, assise en posture de méditation, en face de vous. Bientôt, vous ressentez intuitivement sa présence. Vous visualisez dans votre chakra du cœur une boule de lumière dorée et en même temps que vous êtes concentré sur cette lumière dorée, vous ressentez toute l'affection, tous les sentiments bienveillants que vous éprouvez toujours pour cette personne. Puis à chacune de vos expirations, vous projetez un faisceau doré depuis votre chakra du cœur vers le chakra du cœur de cette personne, et à chacune de vos inspirations, vous avez l'impression de recevoir dans votre chakra du cœur un faisceau doré à partir du chakra du cœur de cette personne. De telle façon qu'à chacune de vos respirations, un pont de lumière dorée se renforce entre vos deux chakras du cœur. Voyez cela, sentez cela.
Puis vous ouvrez les yeux dans votre sanctuaire et vous voyez cette personne vraiment bien présente, assise en posture de méditation en face de vous. Vous pouvez alors vous parler et communiquer ensemble. Voyez cela, vivez cela. Bien. Maintenant, il est temps pour vous deux de retourner dans vos dimensions respectives.
Vous vous dites au revoir. Cette personne s'élève dans un tourbillon de lumière, puis disparaît, semblant traverser le plafond du sanctuaire. Vous ressortez du sanctuaire, vous retrouvant à l'extérieur. Ces images, ces sensations s'effacent progressivement. Votre respiration est plus ample, plus profonde. Vous ressentez bien votre front, les muscles autour des yeux, les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils, les plantes de pied. Vous ouvrez les yeux quand vous voulez. La séance est terminée.